Aujourd'hui, nous sommes mardi 16 avril. Ouais. Voilà. Je vous ai pas repris hier parce que très grosse migraine. D'ailleurs, je ne suis même pas allée au sport. Je vous avais quitté hier matin justement parce que j'avais oublié de clôturer le vlog. Très grosse migraine. Je vous ai dit que je m'étais reposée tout le week-end, mais j'ai très mal dormi. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait grand-chose du week-end. J'ai passé deux nuits atroces et du coup, je pense que ça a été le pompon. Et du coup, grosse migraine. Pas de sport, juste aller boire un café avec ma copine en sortant du taf. Après, je suis rentrée, je me suis couchée. J'ai fait quasiment rien du tout de ma journée. Oui, je me suis occupée de mon linge, je crois bien que c'est tout. Un peu d'ordinateur pour retrouver des vidéos. Mais rien du tout. Rien du tout. Je compte me rattraper aujourd'hui, coworking, après le travail. Donc, voilà, c'est tout. Hey! Tout le monde est rentré hier. Voilà, je suis passée d'une maison toute vide à une maison toute pleine. Lana est rentrée, Jojo est rentrée, voilà. Donc c'est pareil. Bah, du coup, j'ai profité d'eux aussi en fin de journée. Lana est même allée. Et même allée pour moi au Mondial Relais. Avec récupérer ma commande Horizon Créatif. Du coup, je filmerai ça certainement aujourd'hui. Si je rentre pas trop tard du coworking, sinon je ferai ça mercredi. Donc voilà. Mercredi, pas de sport parce qu'il faut que j'aille à la CAF. Donc voilà. Pas grand chose à dire. Donc aujourd'hui, je vais pas vous filmer beaucoup. Puisque c'est coworking, comme je vous ai dit. Tout dépend jusqu'à quelle heure je reste. Je crois que les copines restent jusqu'en début d'après-midi. Jusque l'heure du midi. Moi, je verrai bien. Donc, voilà. Bref, sur ce, je fais des bisous. Et je vous reprends un peu plus tard. Et à Pink à la télé. Ouais, vous connaissez mon amour pour Pink. Donc je vais y remettre le son. A plus tard. Bon, bah il y a eu un bug, il s'est mis en veille, j'espère que j'étais bien en train de filmer et pas vous parler dans le vide. Du coup, je vous parlais du coworking. Le coworking, c'est quoi? Donc c'est un espace de travail. Donc, comme je vous disais, je ne peux pas vous filmer parce qu'il y a toujours plein de monde. Donc c'est un espace de travail où il y a plein de bureaux, il y a même deux cabines pour si on a besoin d'être en visio, parce que c'est un endroit qui est censé être calme, où les gens chuchotent, comme dans une bibliothèque, on ne parle pas. Et il y a même des postes où il y a des ordinateurs. Et voilà, il y a un très bon wifi, très haut débit. Alors j'ai pas à me plaindre moi ici à la maison, hein. Mais voilà, il y a un très très bon wifi. Ils nous prêtent tout, on a tout à disposition et gratuitement, ça c'est plutôt pas mal. Quand je vous dis ça, je vous parle de casque, puisque moi du coup je leur emprunte leur casque. En plus il y a des protections à mettre, vous savez comme les chaussons jetables à l'hôpital. Bah là, pour les casques d'oreilles, il y a ça. Ils vous prêtent des chargeurs de téléphone, ils vous prêtent des tablettes, ils vous prêtent... Enfin, voilà, il y a vraiment tout. On peut imprimer autant qu'on veut, gratuitement. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et il y a un petit espace où on peut prendre un café, on peut manger. Il y a vraiment... Franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Moi, je mange pas là-bas parce que je trouve que c'est assez cher quand même. Je vous avouerai que oui, je prends mes cafés là-bas. Un latte macchiato caramel, je dois le payer. Je crois que je vous en avais parlé de ça. Je crois que c'est 3,90€, comme ça. Moins cher que le Starbucks. Pas aussi bon, mais moins cher. Et alors, par contre, ils ont des cookies. Alors, c'est 2 et quelques cookies. C'est assez cher, on va pas se le cacher. Mais alors, sablé, celui-là. Alors, aujourd'hui, c'est chocolat noir. Moins bon que le 3 chocolats. Mais vraiment très très bon aussi également. Donc voilà, donc c'est un espace de travail. Franchement, c'est plutôt pas mal. Même si on travaille chacune de notre côté, on est quand même avec les copines. Et puis, au bout d'un moment, on se fait une pause, on va boire un café. Elles vont fumer une clope. Voilà, donc au moins, je suis pas toute seule. Mais en même temps, je reste concentrée sur ce que je fais. Et ce qui permet de bosser dur. Et voilà. Donc ça, c'était pour l'espace coworking. Je vais mettre ma pizza en route. Je continue de travailler un petit peu devant la télé. Je vais mettre la télé en route. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense pas vous reprendre ce soir parce qu'il y a rien d'intéressant. Je vais pas vous dire, bah, j'ai mangé ma pizza. Vous dire combien de parcs j'ai mangé, c'est pas intéressant pour vous. Demain, quel est le programme? Pas de sport demain, pourtant c'est mercredi, je sais bien, mais pas de sport parce qu'avec Lana on doit aller à la CAF. Du coup, puisque... Panam, je vais vous les révéler au moins une petite révélation si vous ne m'avez pas suivi sur Instagram. Je vais être encore mamie. Oui. Si vous ne l'avez pas deviné, même si les filles n'ont rien dit, il y en a certaines qui ont mis des petits emojis, que c'est simple de travailler. Donc oui, Lana va avoir un bébé. Voilà. C'est ma grosse baleine. Je l'embête parce que c'est ma petite grosse baleine. Et parce que elle est déjà plutôt grosse pour sa grossesse. Elle a déjà un bon gros bidon. Pourtant, elle est à 14 semaines, je crois. Je vais vous dire ça. Puisqu'elle m'a fait installer le truc grossesse.
comme ça. Elle est à 15 semaines aujourd'hui. Donc voilà, elle est à 15 semaines aujourd'hui. Et pour vous donner une idée, pour celles qui ont regardé mon post, bah, je vais essayer de vous le mettre. Mon post Instagram, il est où? Où je vous l'ai annoncé. Donc pour ceux qui n'avaient pas Instagram, là. Donc ça, c'était la photo. Parce qu'elle a déjà acheté des petites chaussures pour Bailey. Et vous voyez son bidon là? Voilà. Donc, pour vous donner une petite idée, qu'elle a un bon gros bidon, d'accord? Ça, c'est le jour où elle a la confirmation qu'elle était bien enceinte, sachant qu'elle est tombée enceinte le 16 janvier, d'accord? Et que cette vidéo date du 14 février. Puisque oui, je l'ai appris le 14 février, c'était mon premier cadeau de Saint-Valentin en tant que célibataire. Donc, vous verriez maintenant, c'est un bon gros bidon. On croirait qu'elle est enceinte d'au moins 6 mois. Je vous le promets, elle peut le cacher à personne. C'est clair et net, elle peut le cacher à personne. Donc voilà, donc oui, je vais être mamie. Donc, c'est là, je vous disais, donc je vais bien sûr refaire un album photo baby, même si j'ai toujours pas fini celui de Kélia, je sais. Un jour, je le finirai. Et par contre, celui de Baby Mang, oui, parce que on connaît le sexe. Je ne vous le dirai pas tout de suite, parce que de toute façon, on aura la confirmation le 22, parce qu'il y a déjà eu sa première écho, mais comme elle est suivie par une sage-femme, et non par un médecin généraliste, la sage-femme lui fera... C'est une sage-femme échographiste, donc elle lui fera des échographies à chaque fois. Donc elle lui confirme bien le 22, si c'est un petit garçon ou si c'est une petite fille. Moi, je ne vous dis rien pour le moment. Et du coup, je cherche une collection de papier. Donc, j'ai déjà vu un petit peu avec Aude si elle comptait en sortir une autre. Parce que je devrais que je serais bien partie sur une collection digitale. De façon à avoir le papier pour pouvoir tout faire, coffret naissance, pour pouvoir faire tout ce qu'elle souhaite dedans. Donc voilà, donc c'était mon petit secret. D'où tous les rendez-vous médicaux que j'ai eu en peu de temps. Parce que, il y a eu l'échographie de datation, il y a eu la première écho, il a fallu aller au rendez-vous d'hôpital. Parce que nous, pour réserver l'hôpital, il faut prendre rendez-vous, il va y avoir une sage-femme pour ouvrir le dossier. Enfin bref, voilà, il y a eu beaucoup de rendez-vous en peu de temps. Et il va y en avoir encore d'autres aussi, hein. Et parce que maman est là tous, bien évidemment. Mon ange, je serai pas là le 22 parce que j'ai pas fait attention, mais j'ai rendez-vous au dentiste au même moment. Donc voilà. Bref, ce n'est pas grave. Donc voilà. Et puis c'est tout. Voilà, je vous ai révélé mon petit secret et. Je vais pas vous dire de le dire à personne, hein, parce que de toute façon, tout le monde le verra. On est bien d'accord. Mais voilà, je vous ai dit mon petit secret et. Et puis c'est tout. Je sais même plus pourquoi je vous ai révélé mon secret maintenant. Je disais quoi à la base? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ma pizza en route. Et enfin, d'abord le four et après la pizza. Et je vous reprends demain. Oui, du coup, je vous disais demain. Ça y est, c'est revenu. C'est revenu. Donc demain, du coup, on va à la CAF, puisque du coup, sa déclaration a été faite à la CAF. Mais il faut que je voie en fait pour les papiers, puisque pour le moment, elle est toujours sous mon. Elle est toujours. À moi, et en fait il me semble qu'il faut que je change parce que du coup elle va avoir son numéro de CAF, bref, j'ai pas envie de me planter, de faire des bêtises, du coup direction la CAF. Et d'ailleurs ça fait penser qu'il va bientôt falloir que je prenne rendez-vous aux impôts, parce que il y a des feuilles d'impôts à faire, et cette année ça va être très très compliqué ma feuille d'impôts, entre la séparation, entre le divorce, l'ANA qui n'est plus sous ma feuille. C'est pareil, je tiens pas à faire des conneries. Du coup, je vais prendre rendez-vous et puis je vais aller directement le faire avec eux. Et ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Bref, moi, je vous laisse. Et puis, on se retrouve demain, après la CAF. Hey, bienvenue dans une nouvelle journée. Comment allez-vous? On se bien, la lumière est pas des plus optimales. On se... Mercredi matin, je cherchais, voilà, je me pose devant l'ordinateur un petit peu, il est de bonne heure, il est 5h26, voilà, j'étais au taquet ce matin, franchement, j'étais au taquet ce matin, mon lit est fait, j'ai pas de linge à étendre, ma machine, puisque j'ai étendu hier soir, ma machine est programmée pour commencer dans 4h, ma vaisselle est faite. J'ai deux verres à faire, mais je la ferai plus tard. Ouais, je sais, j'aurais pu les faire maintenant, mais j'ai pas envie. J'ai pas son à sortir, c'est Jojo qui va le sortir après. Voilà, donc je vais me poser un petit peu sur l'ordinateur.
faire ce que j'ai à faire sur l'ordinateur, ou mettre la petite musique du matin, et puis c'est parti. Programme du jour, comme je l'ai dit, direction CAF en sortant du travail avec Lana. Lana me rejoint là-bas, va commencer à faire la queue, comme ça j'espère qu'on va passer un peu plus rapidement. Après je passe vite fait à Intermarché rechercher la lessive puisque je n'en ai plus, et je rentre et au boulot. Programme du jour, filmer un petit peu en continué de l'album photo. J'ai combien d'idées de pages de dispo? Bah écoutez, j'ai le 1B, 2A, 2B. Donc, j'ai de quoi tourner 3 vidéos aujourd'hui. Est-ce que je vais tourner 3 vidéos? Je ne sais pas, on verra bien. Mais au moins, j'ai de quoi tourner 3 vidéos. Il faut que je recherche le reste, hein, il m'en restera 4 à trouver. En plus, la maison sera calme puisque Lana sera Lifa et Jona. Il a un match de basket puisqu'il a été sélectionné pour être en finale. Donc en fait, il fait un pique-nique et il va à son cours de français et après ils partent directement. Donc voilà quoi. Donc je vais être au calme pour pouvoir travailler. Il faut que j'arrive à finir ma couverture. Il manque un petit truc dessus, j'arrive pas à savoir quoi. Est-ce que je mettrai un shipbird? Mes mots albums sont pas tip top. Si j'avais à rentrer de l'argent en boutique, parce qu'en ce moment c'est un petit peu le... Voilà. J'essaierai de faire une commande de shipbird. Ouais. J'essaierai de faire ça. Mais encore faut-il que je rentre de l'argent. Bref. Bon, c'est tout. C'est tout. Let's go. Et il faut que je rentre en stock. Et tous les die-cuts que j'ai fait de la semaine dernière, je les ai toujours pas rentrés. Et il faut que je mette en boutique aussi les nouveaux que j'ai fait, les mini-nous. Bref. En fait, il y a du boulot quand même. Il y a du boulot. Et il faut que je rentre dans mon stock aussi ma commande de chez Horizon Creatif que j'ai faite hier. Voilà, il y a du boulot. Bon, il me reste 22 minutes. Je vais commencer un petit peu ici. Et puis, voir mon programme aussi un peu du jour. Remettre la musique. Et puis, let's go. À tout à l'heure. Hey, coucou tout le monde, me revoici, me revoilà. Je suis essoufflée. Il est, sous mon ça cache, 10h41. La musique cache la tête de Kélia. Oui, parce que du coup, ce sont mes bébés qui sont en fond d'écran, bien évidemment. Vous avez Kélia ici. Et ici, vous avez l'échographie de petite mangue. Voilà, parce que c'est une petite mangue. Donc pas déjà à cette heure là, je vous jure c'est un truc de dingue, ça passe trop vite. Quoi de neuf, je suis allée bosser, on est allé à la CAF. Alors faut qu'elle crée son dossier, son numéro 4, donc on l'a fait. Parce qu'ils ont toujours pas reçu la déclaration de grossesse, donc voilà. Par rapport à son changement, je la laisse sur moi comme ça, voilà. De toute façon, elle aura 20 ans bientôt, donc elle ne sera plus. Donc je laisse à ma charge. Ça ne changera pas grand-chose à mes droits. Ensuite, on avait un coup de téléphone à passer au niveau d'un conciliateur, puisque voilà, Lana a un petit litige et on était allé se renseigner au commissariat hier. Et du coup, il faut passer par un conciliateur. Coup de chance, le conciliateur, c'est... Et la permanence, c'était le troisième mercredi du mois. C'était aujourd'hui. Donc du coup, on a téléphoné. On a rendez-vous le 17 mai, dans un mois pile poil. Il faut que je note mon rendez-vous, le rendez-vous d'ailleurs. Je suis allée à l'inter. On va faire le petit retour de course. Tout compte fait, je ne sais pas si je vais filmer, parce que je me dis, il est déjà quasiment 11h. Faut que je mange, parce que j'ai très très faim. J'ai pas déjeuné du coup. Et j'ai une commande à faire, je sais pas si je vous ai dit hier, avec des pattes de chat. Voilà. Et j'ai vu que du coup, Nathalie, c'est, je crois. Nathalie, c'est bien ça. Elle a passé une commande sur la boutique aussi pour des die cuts. Ben, je crois que c'est les Harry Potter qu'elle a commandé. Donc du coup, il faut que je prépare sa commande. J'ai mon réasseur à mettre. J'ai juste mis les mini-nous ce matin. Mais voilà, j'ai le réasseur de ça à faire. Il faut que j'enregistre pas mal de choses. Donc, et j'avais promis à Jana que je ferais des crêpes aujourd'hui. Du coup, filmer va être un peu plus compliqué. On va bien voir. J'ai gardé mon écharpe. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, je suis désolée, vous entendez, la machine, elle n'est pas encore terminée. Il reste... une heure. D'habitude je mets 3. D'habitude je me mets en route à ce qu'on entend 3h et là j'arrive dans 4h, peut-être pour ça. Bref, du coup, retour de course.
C'était en promo, j'ai voulu tester l'eau micellaire purifiante. On verra bien ce que ça donne pour le matin. Quand je me lève avant de maquiller, je passe toujours. Je mets pas de l'eau, je mets de l'eau micellaire. Donc du coup, donc voilà, j'en avais plus, je crois. Je me suis acheté du poulet curry. Ce midi, c'est wrap, curry chèvre. J'ai pris du jambon à poêler. C'était dans les dates de péremption. Ils sont bons jusqu'au 18, donc c'est-à-dire jusqu'à demain. Je vais les congeler, c'est pas grave. 2,31, il est moins 25% dessus. Petit madame Loïc. J'ai pris quoi? Pizza, chorizo pour Jonah, va aller au congélateur parce qu'il en a mangé une hier. Et j'ai pris celle-ci pour moi, donc c'est chèvre jambon, voilà. Il y en avait une achetée et l'autre à... la deuxième passait à 1,74€, je sais plus, elle était à 30 ou 40%, bref. Du coup, donc ça va aller au congélateur. Ça, au congélateur. Pour aller avec les chips, madame Loïc. Bien évidemment, des chips. Pour aller avec le poulet au curry. Bah non, pas les bras, j'ai déjà du chèvre. Oh, il y en a un qui était là hier. Au secours, j'ai ouvert la fenêtre. En combo, de la brioche. Donc là, j'ai pris de la brioche. J'ai pris du gruyère parce que je ne savais pas ce qu'il me restait en gruyère. Ouais, il reste pas grand chose, il reste ça. Après, j'ai de la mozza que j'ai besoin du coup. Pas de la mozza, mais du cheddar pour mon poulet curry. Il me reste du ça. Parmesan, là, mais c'est plus pour les pâtes. Ouais, bah, j'ai bien fait d'en prendre. Fromage hamburger, j'en ai une tonne. Dans le frigo, c'est tout ce qui. Madame Loïc va le mettre aussi. Voilà. Et j'ai pris de la confiture de fraises pour aller avec les crêpes. J'y me reste du Nutella. Il ne reste pas énorme, mais il m'en reste. J'ai voulu racheter. Vous savez, c'est Régilier qui fait ça, j'en achète tout le temps. Du comme ça, mais au caramel beurre salé, et ils en avaient pas. Ils en avaient qu'un, mais plein de caramel là. Ils avaient que du lait de spéculoos. Bon, les spéculoos, j'en avais encore, donc je n'ai pas pris. Tant pis, il n'y aura pas de caramel. Après, ils avaient un pot en verre. Enfin, c'est pas un pot, ça fait une bouteille en verre. Avec les trucs bretons de caramel beurre salé au sel de Guérande. Ah, la Bretagne, c'est le meilleur. J'arrête, promis. 8€ la bouteille, c'était une bouteille encore plus petite que ça, on va dire de cette taille là mais beaucoup plus fine. Comment vous dire qu'il est resté là-bas. Et ce pourquoi je suis allée à l'Intermarché quand même, il aurait fallu que je parte sans, ça aurait été hein, de la lessive. Alors comme je vous ai dit, moi je prends la extra parce qu'elle est vraiment très très bien. Elle est à, le gros là de 41 lavages, il est à moins de 6€, il est à 5 et des bananes. Je peux pas vous dire le prix, j'ai pas mon ticket de caisse et je sais pas si j'ai l'application Intermarché, mais je sais pas si j'ai mes tickets de caisse qui se mettent dessus. Le LAF. Ne pas autoriser. Accepter. Me connecter. Je sais même pas si j'ai un compte. Bref, c'est pas grave. J'ai mis l'application, je sais même pas si j'ai un compte. Donc, du coup, ouais, c'est à 5. Je sais plus. Attendez, je vais vous dire parce que j'avais fait la calculatrice. 5,44€. Voilà, donc c'est pas excessif et franchement elle est très très bien. Moi je l'aime beaucoup. J'ai ma dent qui me stresse. Bref, demain le dentiste. Ouais. Donc voilà. Hop là. Du coup, je vais ranger les courses, je vais faire la commande de Nathalie, du coup, voilà. Regarder quelques vidéos et je verrai bien. Me faire à manger. Non, je vais. Ouais, je fais la commande de Nathalie. Je me fais à manger. Ensuite, je fais ma pâte à crêpes. Et le temps qu'elle pose, je verrai bien ce que je vais faire. Soit je tourne au moins une vidéo, soit je mets mon réasseur. Bonne question. Allez, je reprends plus tard. Bienvenue dans la suite de ce vlog, bien sûr. Bon, je vous prends, nous sommes jeudi, je n'ai pas de café à vous proposer, je suis désolée. C'est plus l'heure du café. Bon, en temps normal, vous savez bien, je prends mon café avec vous.
Bon, ce matin, ça y est, mon lavage de dents est déjà fait. Et comme je vais au dentiste à 9h30, on prépare un deuxième café. Il est 5h38. Il me reste 12 minutes avant de partir, le temps de faire un petit check-up de l'ordinateur, de ce que j'ai à faire, en plus de mon rendez-vous chez le dentiste. Ouais, je vous ai bonheur. Bon. Aujourd'hui, j'ai décidé de me motiver. Mais à fond, chez à fond. Oui, oui, oui. Il faut que j'avance dans mon album photo. Sachant que hier, j'ai réussi à trouver mes idées de page. Donc là, j'ai de quoi tourner 4 vidéos, je crois. Non, 5 vidéos. Donc, il n'y a pas d'excuse, Maric. Tu tournes des vidéos. Et demain, après le sport, tu tournes des vidéos. Et avec un peu de chance... Non, peut-être pas finiment. Enfin, pour le tournage, je parle. Pas pour finition, bien sûr. Hier, je vous ai repris. Franchement, je sais même plus si... ça a filmé ou pas quand j'ai fait mes crêpes. Je sais que j'ai entendu un bip 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 et plus de batterie. J'ai eu la flemme de changer ma batterie. Du coup, je viens juste de la changer là, c'est pour ça que je ne les ai pas repris entre deux. De toute façon, après, j'ai fait mes crêpes. J'étais au téléphone en même temps, donc de toute façon, il n'y avait pas grand chose à vous dire. J'ai sorti Snow, les enfants sont rentrés, on a papoté et tout. Après, je suis allée au bain. J'ai continué mon livre, il est juste génialissime. Moi je vous le dis, il est juste génialissime. Je vous avais mis le tome 1 dans le dernier vlog. Là je suis dans le tome 2. J'avance. Et franchement, je sais pas pourquoi il y a des extraits qui me parlent comme si je l'avais déjà lu, alors que je sais que je ne l'ai pas lu. Alors j'ai peut-être vu des extraits quelque part, je ne sais pas. Mais il y a certains extraits qui me parlent. Bref, en tout cas, il est super génial. Je ne sais plus le titre, mais je vais vous le dire dès que j'aurai allumé mon Notion. Et du coup, ça... Après, on a fait quoi? On a mangé. Après, ça a été l'heure de ce que tout le monde range leurs affaires que j'avais pliées dans la journée. J'ai tendu du linge aussi entre deux. Maintenant, là, je vais avoir une machine à mettre en route. Mais je suis pas sûre qu'elle soit pleine, donc je pense que ça attendra demain. C'est mensonge de minuit, là, Alpha Academy. Donc voilà. Et après, ce sera le roi de minuit. Et après, le tome 4, je l'ai pas trouvé, donc. Parce que autant le premier était sur Amazon Kindle, le 2 et 3 n'étaient pas sur Amazon Kindle. On les a envoyés. Mais le 4, la personne ne l'avait pas, donc du coup. Tu vas être obligé d'acheter. Bon, ça va. Il est en Kindle et en Kindle, je crois que c'est 7,99. Donc, bon. Voilà quoi. Il y a des choses. Et des moments comme ça m'énerve sur Amazon Prime. C'est que. Enfin, sur Amazon Kindle, c'est que. On va voir le tome 1. C'est une autre saga que je lisais. C'est quoi la saga que j'ai lue? Je vais dans lecture. Parlons un peu de lecture. Voilà, il y a longtemps qu'on a parlé de lecture. Parlons de lecture. Ancré sous ma peau. Voilà, c'est celui-là. J'ai lu le tome 4 ce mois-ci et le tome 3. Non, le tome 3, j'ai lu le mois dernier et ce mois-ci, j'ai lu le tome 4. Le tome 5 n'est pas encore sorti. Il va sortir à venir. Quand l'amour et le pardon s'entrechoquent. Le 1er août. Mais... Ah non, le tome 1, 2, 3, 4, c'est ça. Le tome 5, il est dans ma liseuse, donc je vais pouvoir le lire. Je verrai peut-être après cette saga-là. Et le tome 6 sort le 1er août. Je ne sais pas s'il sera en une ou deux parties. En fait, il y avait les trois premiers tomes étaient sur le couple principal. J'ai lu le 1, j'ai lu le 2, et le 3 n'était pas disponible en Kindle. Donc du coup, j'ai attendu. Il s'est mis à être disponible en Kindle. J'ai dit, alléluia, j'ai fini. Et du coup, le 4 et 5 se sont mis aussi en disponibilité sur Kindle, donc je les ai téléchargés. J'ai lu le 4 qui est sur un autre couple ami des deux. Enfin, elle, c'est la meilleure amie l'une des meilleures amies du couple principal. Et lui, il est arrivé dans le dernier tome, je crois. Enfin, on l'a vu un petit peu dans le tome 2, et voilà, bref. Et le tome qui va sortir en août, l'autre couple, un autre couple ami, et là déjà eux ils commencent à me mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, j'ai lu le résumé, je me dis mais ils se connaissaient d'avant, donc j'ai très très hâte de moi d'août,
J'espère qu'il va être directement sur le Kindle. Bref. Enfin, sur Amazon Kindle. Vous savez, l'abonnement que je prends tous les mois à 9,99€, je crois. Et que je peux lire autant de livres que je veux. Quasiment tous les livres que je lis maintenant sont sur Amazon Kindle parce que je trouve que ça revient beaucoup, beaucoup moins cher et que je n'ai plus le même budget que j'avais à l'époque où j'étais blogueuse littéraire. Celles qui me rejoignent, j'en parle pas souvent, mais avant d'avoir YouTube, j'étais blogueuse littéraire. J'ai passé mon temps à lire. C'était avant le scrap, j'avais plus de temps. Mais j'ai passé mon temps à lire et du coup, j'ai eu un blog pendant presque 10 ans. Et j'ai même travaillé avec des maisons d'édition, c'est-à-dire que tout ce qui est... les maisons d'édition, on parlait à aux liseuses, mais tout ce qui est les éditions J'ai lu, qui sont très connues, les éditions Harlequin, alors pas les Harlequins de nos grand-mères, les Harlequins de maintenant. J'ai lu Harlequin, j'avais qui d'autre? J'ai eu Milady, enfin voilà, c'était des partenaires. Alors, J'ai lu Harlequin et d'autres maisons d'édition, je ne sais plus c'était laquelle, c'était des partenariats à plein temps. C'est-à-dire que tous les mois, ils m'envoyaient la liste de leurs sorties et je choisissais celle que je voulais. Milady également. Pendant un an, parce qu'il changeait tous les ans, j'ai eu le droit, avec Hugo Roman aussi, j'ai eu le droit pendant un an. Voilà, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de maisons d'édition. J'avais beaucoup d'auteurs indépendants qui m'envoyaient leurs livres aussi. Mon blog est toujours ouvert, il n'est plus à jour parce que je n'ai plus le temps de m'en occuper, je n'ai plus le temps d'écrire et je n'ai plus la même passion de devoir me prendre la tête à dire ce que j'ai pensé des livres. J'aime bien vous en parler de temps en temps ici quand j'ai vraiment une saga qui me plaît beaucoup ou une auteure que je vous conseille et fortement, hein, comme Jupiter. Jupiter est juste génialissime d'ailleurs. Quand est-ce que sort son prochain livre à elle? Jupiter, bah, le 26 avril, il y a la guerre des dragons. Donc c'est Kira Stormrider et c'est le tome 5. Voilà. Et après, alors on a un autre qui sort le 31 mai et ce sera le tome 6 de la même saga. Voilà. Bon, c'est d'où mon... C'est de là que tient mon organisation pour les livres. Oui, oui. Bref, du coup, ça, quoi d'autre? Bah rien. Rien, rien, rien. Je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas grand chose à vous dire. Voilà. J'ai enfin mes réasseurs, j'ai préparé ma commande pour ma cliente. C'est bon, elle est dans mon sac à main, je vais pouvoir la poster. Et puis c'est tout, j'ai commencé à réfléchir aussi pour de nouveaux die cuts. Et puis voilà, j'aimerais bien ressortir une collection été pour quand je vais attaquer le Sealand. J'ai un petit doute, alors je vous avais dit ce que j'avais acheté, mais j'ai un petit doute. Alors déjà au niveau du papier bleu, je vous ai dit que j'avais une préférence pour le water. Une fois le papier sous la main, j'ai regardé... Le water est trop foncé et du coup, c'est lequel que je vais prendre, j'ai dit. Attendez. On revient là. Inventaire matériel. Je les ai pas mis. Le glacier. Tout compte fait, ce sera le glacier pour les espaces photos. Et j'avais acheté du parchemin pour monter mon album photo. Et... Ouais, voilà, ma grimace veut tout dire, on verra bien, mais j'ai un doute. J'ai un doute, je pense pas. Pourquoi en cours de livraison 40? Il n'y en a pas 40 dedans, il y en a 20. Oui, ils sont toujours en cours de livraison, parce que je les ai pas rentrés dans mon... Je les ai pas rangés, ils sont toujours dans le carton, mais du coup, ils sont pas rangés. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pas grave. Ouais, j'ai un petit doute. Ma copine m'a dit, mais oui, ça va, au contraire, ça va faire bien et tout. Mais après, j'ai montré en photo. Je lui montrerai en visio et elle me dira, moi, j'ai un petit doute. En fin de compte, il est 5h47. Je vais avoir le temps de rien faire sur l'ordinateur. Mais bon, ce n'est pas grave. On a papoté. Ça fait 10 minutes qu'on papote. Voilà. Aujourd'hui, c'est Down de Justin Timberlake de son dernier album que je vais vous poster. En retard. Hop là, là. Je mets tout à la date d'aujourd'hui. J'ai pas mis le nez dans mon chaîne hier. C'est pas bien, Marc. Ça, c'est du coworking. On efface la date. Oula. Ma vidéo d'horizon créatif, je l'ai faite mardi.
Je l'ai faite, moi, petit. Ça, c'est pareil, charger les vidéos que j'ai montées, animées hier. Je l'ai faite mardi aussi. J'ai même pas validé ce que j'avais fait mardi, vous vous rendez compte. Les montages, je vais les faire au coworking. Donc déjà, je peux effacer de ma liste de choses à faire. Ça en fait déjà en moins. Voilà. Mettre les news die cut en boutique. Je l'ai fait hier. Donc ça, c'est bon. C'est fait. Ok. Ouvrir une nouvelle boîte mail perso. Alors ça, je l'avais fait, mais il y a eu un bug apparemment. Et du coup, Outlook avait complètement bugué. Oui, parce que je changeais ma boîte mail perso. Erreur s'est produite. Voilà. Je sais pas pourquoi. Oui, parce que je reçois trop de merde, de pubs que je n'arrive pas à supprimer, et de spam, enfin bref, trop de merde, et du coup je changeais ma boîte mail, et voilà, donc du coup j'ai essayé d'en ouvrir une, mais apparemment elle n'a pas voulu. Mon ami est en train de jeter tous mes comptes, on verra bien, hop. Bref, il est 50, c'est l'heure pour moi de mettre mes chaussures et gigot. Je vous reprends quand je rentre du dentiste. Ça marche? Chut, à tout à l'heure. Allez, recoco tout le monde, bon? Ouais, il fait plus jour, hein, oui. Bon, allez, on va aller direction l'atelier parce que, bah, je vais vous poser juste là. J'ai du mal à parler? Ouais, je sais. Vous savez pourquoi? Je suis encore toute anesthésiée ici. Je vais vous poser juste là et on va attaquer, du coup, le tuto. Je vais continuer. Oui, c'est toujours Fanny, parce qu'en fait, Fanny est tout le temps couchée dedans et j'ai la flemme de la pousser, la pauvre. Et là, il faut vraiment que j'arrive à mettre sur Vinted. Voilà. Donc, je pousse tout ça, parce que j'ai toujours mon colis. Horizon créatif. Oui, Marie, on se demande ce que je glande en ce moment. Je vous l'accorde, on se demande ce que je glande en ce moment. Non, en plus, j'ai tout ressorti, parce que hier, je vous montrais justement ma copine. Je vous l'ai dit. Et tant que j'ai pas mis mon stock, en fait, bah, je laisse en carton. Voilà, tout simplement. Bref, sur ce, je vous mets là-haut et c'est parti. Let's go, je filme. Il fait super beau aujourd'hui. On a un temps. Vous voyez pas voir spécialement, mais on a un super temps. Jonah finit à 15h, donc à partir de 15h, je pourrais plus filmer. Fumer, ouais, j'ai du mal. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de filmer? Je ne sais pas. On va bien voir. J'espère que ça va pas être trop catastrophique. Jonah finit à 15h et du coup donc je filmerai plus après, donc je pense à me faire une petite balade à la plage, me prendre un petit Starbucks, je crois que j'en ai même deux encore de gratuit, me prendre un petit Starbucks et aller me balader à la plage. Ouais, mon coca cerise, il se voit bien, hein. Ouais, j'adore, ça change du noir. Est-ce que vous aimez? Non, là c'est attaché parce que j'ai un des attachés pour pouvoir travailler, mais là avec le soleil en plus. J'adore. Bref, je les rattache, je filme et j'arrête avec ma coupe de cheveux. Hey, recoucou tout le monde. Oui, j'ai changé de t-shirt. Parce que j'ai mangé une crêpe à la confiture de fraises et ce qui devait arriver arriva. J'en ai eu sur mon t-shirt vert. Bref. Non, sinon toi tu restes là. Sinon il a capté que mamie elle est en train de se préparer. Mais non, ça ne vient pas aujourd'hui. Mamie elle va tout seule. Oui, tu peux faire comme ça. Du coup, Jonah m'a envoyé un message, il va jouer dehors avec ses copains, il rentre pas tout de suite. Moi, je suis contente, j'ai tourné deux vidéos. J'aurais aimé en tourner trois, mais j'en ai déjà tourné deux, c'est plutôt pas mal. Et du coup, je vais me faire ma petite promenade à la plage, il fait beau. J'ai ressorti mes anciennes lunettes de soleil. Bon, il faut légèrement que je les resserre. Je vais les faire resserrer, mais vous en pensez quoi? Ouais, faut que j'aille resserrer mes branches, mais bon, ça va le faire. Donc voilà, donc j'ai ressorti mes petites lunettes de soleil parce qu'il y a du soleil. Je sais pas si je vais vraiment les mettre, mais on verra bien. Et je vais déjà mettre mes vraies lunettes, ça peut être pas mal aussi. J'attends que mon téléphone recharge parce que bah, j'ai pas fait attention, mais j'avais plus de batterie, presque. Enfin,
j'étais à 66. Changer de mètre, j'étais à 78. Vive le super lioc, j'adore. Donc voilà, donc j'ai plutôt bien avancé. Petite promenade à la plage. S'il n'y a pas trop de monde, je vais essayer de vous filmer avec mon téléphone, pas sortir l'appareil photo, je vais pas le prendre, je vais le laisser là et juste mon téléphone parce que de toute façon, en ce moment, je ne vois pas la tête avec le sac à main. Voilà ce que je prends comme sac à main. Hein. Mon portefeuille, c'est bien, avec ma carte bleue, tout ce qui s'ensuit, de quoi nettoyer mes lunettes de soleil, mettre mon boîtier d'écouteurs parce que les écouteurs seront dans les oreilles. Et puis c'est bon. En plus, c'est ma copine qui travaille aujourd'hui, donc je vais passer vite fait y faire un petit coucou. Donc là, je vais prendre le 7, je vais regarder à quelle heure il y en a un. Je vais prendre le 7 direction Coty et faire un petit coucou à ma copine. J'ai vu qu'Emilie est en repos parce qu'elle a marqué chill tout à l'heure, donc elle doit être chez elle. Donc juste, peut-être un petit coucou à Elsa quand même. Et parce que je suppose que du coup elle doit travailler, donc faire un petit coucou aux filles, me passer au Starbucks, passer au Starbucks, me chercher un café. Parce que de mémoire, je crois que j'ai 2 cafés gratuits. Donc je vais aller chercher mon café gratuit et direction de la plage pour marcher. Voilà. Parce que au niveau des pages, je suis pas dans le top là. Je sais pas combien je suis. Je suis à 80 déjà. Oui, ça va vite. Vive le super luck. 6300. J'ai pas à me plaindre, mais il m'en manque encore 2000 pour pouvoir faire mes 8000 pas. Donc, direction la plage. Je vais pas rentrer tard comme d'habitude parce que bah, là il y a Jonah, donc faut que je sois rentré pour le faire manger. Et puis voilà. Bref, je sais même pas ce qu'on va manger ce soir. Vous mangez quoi vous ce soir? Bref, je vous reprends plus tard. Je vous reprends quand je rentre. Ou pas. Enfin, ça va dépendre en fait. Parce que en ce moment, c'est soit Lana est là, soit son copain est là. Et son copain, il sait pas que vous existez. Donc, c'est pour ça que je filme beaucoup moins en ce moment. Voilà, parce que Lana n'aime pas que ses amis sachent. J'en ai déjà parlé. Donc, comme son copain est souvent dans la maison, et qu'il ne sait pas que vous existez, bah, je vous garde, vous êtes mon petit secret. Même si Jana a fait une boulette. Parce que oui. Coucou les copains de Jana. Bref, du coup, je vous laisse, je vous reprends un peu plus tard, direction la plage, pendant que Jojo joue, je sais pas, il doit être parti jouer au foot avec ses copains, et puis voilà. Lola fait sa toilette, elle. Tu fais ta toilette, mon chat? Tu fais ta toilette, mon bébé? Oh, ça gratte. Allez, je vous reprends plus tard. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Je fais très très jaune, mais les volets sont fermés, la lumière est allumée, elle est très très jaune cette lumière. Je vous rassure, je n'ai pas la jaunisse. Je vous reprends, il est quasiment 21h, ça va être l'heure d'aller au... Non, pas au dodo, enfin presque, aller bouquiner dans le lit. Comme vous voyez, je suis en pyjama, ma balade m'a fait beaucoup beaucoup de bien, j'ai vraiment... J'ai pas marché autant que d'habitude, parce que d'habitude je fais vraiment le tour et je reviens jusqu'à la gare. Sauf que là, comme j'avais Jonah, il fallait que je rentre le faire manger quand même. Je suis moins jaune là, c'est mieux. Peut-être que je rentre le faire manger. Donc on a mangé,
En fait, sur le passage que je prends d'habitude, il y a le terminus du 7. Le 7 me ramène directement à la maison. Du coup, bah, j'ai dit, allez, peu, il y avait le 7, donc je passais par là. Et voilà, je suis arrivée, j'ai loupé Lana de peu, puisqu'elle était, je l'ai vue, mais au loin, et elle m'a pas vue. Elle est partie pour le week-end. Donc, nous sommes jeudi, oui, elle se fait un grand week-end. Donc, quand je dis tu rentres, on m'a dit je sais pas, donc je pense pas avant dimanche. Voilà. Et puis toi, tu m'abandonnes samedi. Et lui m'abandonne samedi. Voilà. Je vais encore avoir un samedi soir du tonnerre. Je vais travailler. Bref, du coup. Je recommence demain. Vous avez vu comment il est désagréable comme gosse? En fait, je vais l'envoyer chez son père dès demain. Non. Je reste encore un petit peu avec ma maman. Ouais. Donc voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je viens juste vous clôturer ce vlog. Je vous filmerai parce qu'il commence à faire long, je pense. Qu'est-ce que t'as, ma fofée? Tu veux dire coucou? Tu veux dire bonjour à tout le monde? Coucou tout le monde, je suis toujours là, je vais bien. Oui, 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 je suis toujours là et je vais bien. Oui. Tu veux des croquettes? C'est des croquettes que tu veux? Mon à Jojo. Va voir Jojo. Oui, je sais bien, je t'ai dit d'aller voir Jojo. Il fait mine de dormir. Oui, tu l'as entendu? Bon, Fifi avait des croquettes. Elle se fait entendre aujourd'hui. Va donner des croquettes à ton chat. Enfin, à tes chats, en l'occurrence. Mes chats? Ouais, tes chats. Ah, et pas moi, elle. Déjà, elle a entendu mon croquette, elle va déjà à la porte. Il est là. Voilà, l'Olaf est parti devant la porte. Elle sait que je range des croquettes ici, en fait. Voilà, Lola fait les croquettes. Attends que ton chat il entend les croquettes. Lui. Ouais, bah quand lui va vouloir. C'est un gros malade. Quand lui va vouloir les croquettes, ça va leur donner. Tigrou, viens Chucky. Laisse-le, il est en train de dormir. Chucky, tu veux des croquettes? Oh, tu veux des croquettes? T'as vu? Oh, voilà. Tu plains qu'il va qu'il vient, qu'il va venir. Du coup, donc je vais clôturer ce vlog. Moi, je reprendrai demain. Demain, qu'est-ce que j'ai prévu demain? Du sport, parce que je suis qu'une fois cette semaine, du coup. Donc, du sport, du tournage, et après, je ne sais pas, je verrai bien. Ce sera la surprise. Bref, en attendant. Je suis en vacances. Va donner des croquettes. Attends, maman, je fais quelle heure demain? 9h-13h, je crois. Ouais. Ouais. En vrai, j'ai en vacances. Moi, c'est l'anniversaire. Je vais le taper. On va nous téléphoner. Ouais, mais tu vas pas avoir un cadeau parce que j'ai pas envie. Merci. Bref, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. C'est une très très bonne soirée. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog, bien sûr. Allez, bisous.